Les mains, parce que c'est dans la musique, l'essentiel, à mon avis, c'est l'élément mobile, c'est l'élément humain, c'est tout ce qui représente l'émotion. Le concerto rejoint particulièrement ma sculpture parce que c'est un dialogue entre l'instrument, un instrument et l'orchestre. La cire ici remplace la terre, ça m'évite d'avoir à mouler, parce que si on modèle en terre, on est obligé de passer par le moulage, le plâtre, qui est surtout pour des mains assez difficile, alors que la cire, je travaille en cire, c'est définitif. Ce que je voudrais faire comprendre dans mes sculptures, c'est la notion d'insaisissable, de virtuel, et ce sont deux notions qui nous habitent. L'homme est matière, il n'est pas que matière, il a son intelligence, il a sa pensée. Ici, on est dans une sculpture modelée à la cire, et j'ai choisi de faire un modelage brut, contrairement à certaines sculptures qui sont lisses. Moi, je cherche au contraire à laisser l'empreinte du doigt, et cette empreinte, en somme, pour moi, participe à la musique. Pour moi, l'espace qui tient les mains de la musique, c'est l'espace émotionnel de la musique, en somme. Un espace qui est complètement inexistant, mais qui comprend une forme insaisissable. C'est ce moment-là que j'ai voulu fixer, la dernière note.